J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça baigne. Aujourd'hui j'ai craqué mon slip et je vous montre tout ce que j'ai acheté. Il y a énormément d'articles, je préfère vous le dire. Je préfère aussi vous dire que c'est pour les mecs et pour les meufs hein. On va exclure personne ici. Welcome everybody. Bon, vous le savez très bien, la mode c'est toute ma vie. Et je suis plus orientée street et années 90. Là mes pièces sont de loin les basiques qu'on peut retrouver dans 80% des placards de la France. Voilà. Du coup j'ai eu plusieurs sites qui m'ont aidé justement à trouver des petites pépites. Et donc du coup je voulais partager ça avec toi mon ami. Bien sûr. Chose que je voulais vous dire, tous les articles sont en barre d'infos. Je me suis cassé la tête à mettre tous ces articles en barre d'infos. Donc s'il y a quelque chose qui te plaît, tu descends la barre d'infos, tu cliques, tu regardes, bref, tu fais comme chez toi. Première chose que j'ai acheté, c'est sur le site Junkyard, qui font énormément de streetwear, donc j'adore. Ça vend du fila, du kappa, du champion à gogo. Et donc du coup j'ai déniché une petite paire de fila, oui monsieur, pour les magnifico, et que je cherchais déjà depuis un moment. Donc voilà, c'est du 38, comment te dire que je fais du 38,5-39 et que ça ne me va pas tellement, mais que j'accepte de souffrir ta moisson belle. La paire coûte 109,95€. On va continuer hein. J'ai acheté du Fenty. Ouais, j'ai acheté la nouvelle collection Fenty aussi sur le site. Et j'ai acheté ce pull. Voilà, on voit plus ma tête, les détails que vous voyez. Ce pull est magnifique, je l'ai acheté en oversize pour que je puisse le porter en robe. Le pull est à 179,95€. Je vais vous montrer des pièces qui sont pas chères, je vous jure. Mais là je vous montre, tu vois. Nous allons passer à fila, voilà. J'ai acheté un petit top fila que j'ai trouvé très très joli. Il se présente comme ceci, voilà, c'est un crop top. Ce haut est en promotion, oui, parce qu'après avoir montré des trucs qui coûtent super cher, on va quand même partager une petite promo. Ce haut est en promotion et il passe de 44,95€ à 18€. Bon les gars, allez-y, il est très joli. Toujours de chez fila, ce haut que je porte actuellement, qui est super confortable, alors c'est un crop top, se porte avec tout. Je le kiffe, donc voilà, il est à 39,95€. J'ai l'impression de faire le juste prix. Toujours de la marque fila, ouais, j'ai craqué mon slip avec fila. J'ai acheté, je l'ai pas sous la main parce que je l'ai déjà porté en fait lors d'une photo. J'ai acheté un pantalon fila qui se présente comme ceci, je vous le mets juste là, bande de la marque sur le côté. Le pantalon est très 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 confortable et il se porte tant pour les hommes que pour les femmes. Et le pantalon est à 74,95€. Purée, chérachée, rapurée, tu mets ton argent, ma mère elle serait pas contente de voir où est-ce que je mets mon argent. Garde ton argent. Alors moi j'adore acheter des shorts de basket pour pouvoir les porter avec des leggings, je trouve ça super joli. J'ai acheté ce short de basket kappa qui est pour homme. J'adore porter ça justement avec des crop tops et il est très très joli et super confortable. Et il y a aussi une promotion sur ce short, passe de 64,95€ à 34€. Vous dire que c'est vraiment une bonne affaire étant donné qu'il passe presque à moitié prix. On va continuer avec kappa. J'ai acheté deux sweatshirts long sleeve avec des longues manches de la marque kappa. Derrière il y a ça, mais le truc c'est que moi j'aime bien les porter à l'envers, comme ça devant il y a ça. Ce haut là je l'ai aussi pris du coup en orange. Je vais pas enlever l'étiquette. Faire citrouille pour Halloween. Halloween. Ce petit haut m'ont coûté 44,95€. Ensuite ta ta ta. Ensuite j'ai acheté un haut de la marque tout simplement Junkyard. Voilà, c'est un t-shirt à manches longues avec des flammes violettes. Et je trouve ça vraiment très très cool. 34,95€. Regarde, j'ai pris toujours t-shirt à manches longues et je l'ai pris comme ça. Et j'adore les t-shirts un peu bicolores comme ça et je trouvais très 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 mignon. Donc du coup pareil, celui-ci m'a coûté 34,95€. Au niveau de l'accessoire, alors j'ai pris une ceinture très longue parce que j'adore quand elle dépasse un peu du jean et quand elle pend. Alors j'ai acheté cette ceinture là jaune avec un petit écriteau Lovers Gonna Love et je trouve ça trop trop cute. Et donc du coup toujours sur le même site je l'ai acheté, il n'y a pas de taille. Et donc du coup la ceinture coûte 17,95€. Toujours une ceinture, j'ai pris une ceinture de chez Vans que j'ai toujours pas ouverte. La même ceinture que vous avez vu juste avant, sauf que c'est une Vans, qui coûte 21,95€. C'est des articles vraiment qui vont vous durer longtemps. Donc du coup je trouve que ça vaut quand même la peine. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des chaussettes. J'ai pris des chaussettes, vous savez très bien que j'aime bien faire ressortir mes chaussettes quand je mets une jupe, quand je mets un short. Donc j'ai pris des chaussettes kappa. Elles m'ont coûté, attendez, 14,95€. Donc voilà pour les chaussettes. Vous savez les petits trucs comme ça que vous mettez autour des poignets ou autour du front? Ben, je les ai achetés mais de chez Pepsi. Je trouvais ça hyper old school. Ça coûte 14,95€ le lot de 3. Donc
Voilà. On va passer à un tout autre site. Les gars, je vous jure, ce site c'est toute ma vie. C'est-à-dire que tous les soirs j'y suis. C'est addictif d'acheter sur ce site. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment l'impression que ce site propose tous les vêtements que je n'arrive jamais à trouver et que j'adore. Donc, je ramène mon panier, hein. Donc le site où j'ai acheté cette fameuse coque qui est sold out. Voilà, il n'existe cette coque. Ouais, bien sûr, la drogue. But j'ai d'autres articles à vous montrer que j'ai acheté. Ouh, chère, tu es très relou. Ouais, bref, je vais d'abord vous parler de l'accessoire. Du coup, j'ai acheté pas mal de lunettes de soleil et pas mal de couvre-chef et de chaussettes aussi là-bas. J'ai acheté 3 paires de lunettes. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Paire de lunettes là, que je trouve très 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 jolies aussi. Et celles-là ont coûté 18,95€. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site parce que j'ai vu qu'il y avait des promos. Et dernièrement, j'ai pris celles-ci qui sont en velours. La monture, elle est en velours et j'ai flashé dessus. Elles sont canon, quoi. Vous voyez? Celles-ci sont à 17,20€. Ensuite, je vais vous parler de chaussettes parce que vous savez très bien que les chaussettes, c'est toute ma vie. J'adore ça. C'est des chaussettes que j'ai portées en plus. Donc, la chouma, elles sont ça. Des chaussettes un peu brodées où il y a marqué Lies avec une rose. Elles sont trop trop belles. Je les ai déjà portées avec un petit jean et ma petite paire de Converse. Cette petite paire de chaussettes m'a coûté 12,95€. Toujours des chaussettes. J'ai pris les chaussettes Friendzone. Alors, ces chaussettes, je les adore. Les chaussettes de la Friendzone. Les chaussettes de la Friendzone. Elles coûtent 10,32€. Toujours sur Dollskill. J'ai pris une ceinture Rainbow, toujours extra longue. Et cette petite ceinture m'a coûté combien? Puis à 12,90€. Ensuite, toujours dans les accessoires, j'ai passé à 3 couvre-chefs que j'ai justement acheté sur ce site. J'ai acheté une casquette Van Dutch qui est en daim et à 34,40€. Voilà, on dirait vraiment que je passe des articles à la caisse. 34,40€ s'il vous plaît, merci. Le petit Kevin attend sa maman à l'accueil. Le petit Kevin, merci. Merci, merci. J'ai acheté un petit béret. Faut que j'arrête de dire petit, c'est pas petit, bordel. Là, j'ai une grosse tête en plus. J'ai acheté un petit béret un petit béret en cuir. Très 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 cool. J'adore, il est sensationnel. Et ce petit béret m'a coûté, combien t'as coûté ce petit béret? 34,40€. Tout est à 34,40€. Tout à 34,40€. Et aussi j'ai pris un béret old school. On dirait les bérets de LL Cool J. C'est un Kangol, donc il coûte un peu cher vu que c'est une très bonne marque. Petit béret m'a coûté 47,30€. Mais on passe aux chaussures que j'ai achetées sur Dolls. Une paire qui fait sensation. Une paire qu'on retrouve chez Yves Saint Laurent. Bref, c'est la tendance du moment. Cette paire de bottes que vous voyez qui brille, que j'ai déjà posté, que j'adore, qui sont grave confortables. Et en plus, vu la paire, je pensais qu'elle coûtait plus cher. En fait, non. La paire, je vais vous dire à combien elle coûte. Je pensais vraiment qu'elle coûtait 120€, etc. La paire coûte 55,90€. J'adore, ça porte avec un long sweat, etc. Bref, chez Saint Laurent, ils font les mêmes, mais bon, visiblement, c'est pas du tout le même prix et le talon est différent. J'ai acheté des cuissardes Santiago qui sont, mais quand je vous dis, elles sont magnifiques, elles sont extraordinaires. J'ai posté un look avec et franchement, je les adore. Elles sont d'un confort exceptionnel et surtout, elles sont un peu repliées comme ça. Combien elles m'ont coûté? Elles m'ont coûté 64,50€. Je me rends compte de tout l'argent que j'ai appelé sur mon... On va passer à la SAP, mon gars. Bah ouais, à la marque Rip and Deep. Une marque que vous pouvez trouver sur Dollskill qui est géniale, je l'adore. C'est la marque d'un petit chat, voilà. Et des fois il est avec un ovni. Et vous savez très bien que j'adore les ovnis. C'est ce petit t-shirt là qui nous rappelle la scène culte d'un film dont j'ai oublié le nom. Voilà, et derrière c'est comme ça. Donc du coup ce haut est à 25,80€. J'ai acheté aussi un petit haut un peu pupute. I'm just kidding. Ce petit haut Send Dogs Pic. Send me dog pics, que j'adore, qui est trop 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 chou. À la fois sexy et drôle, comme moi. Il est à 36,12€. Ensuite, toujours de chez Rip and Deep. Vous voyez que je les ai pas mis du tout. Ce petit haut qui s'appelle Thérapie, que j'adore, que je trouve très 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 cool. Ce petit haut est à 30,10€. On va fermer la parenthèse de Rip and Deep, je pense, avec, et c'est Frida Kahlo. Frida Kahlo que j'adore, avec plein de petits chats Rip and Deep. Et l'avant est comme ça. Et sur le côté, vous avez justement marqué Rip and Deep. J'ai toujours pris un t-shirt à manches longues de la marque Obey en oversize. Coup voili. Voilou. Ce petit haut qui m'a coûté 32,68€. Un pantalon en vinyle que je trouve magnifique aussi. Voilà, hein, rien de plus simple. Et que j'arrêtais pas de chercher des pantalons justement en vinyle. Celui-là m'a coûté 38,70€. Ensuite, on va passer à un haut. Et du coup, c'est ce haut-là.
Everything sucks. Et c'est exactement ce que je pense. Des manches super longues et moi j'adore ça. Ce haut m'a coûté 49,48€. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo, que vous avez kiffé mes achats, que au moins ça vous a inspiré, que vous avez trouvé des pièces, des belles pièces, que vous avez trouvé des bonnes affaires et tout. En tout cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si t'as kiffé la vidéo et si tu veux plus de vidéos mode, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu me kiffes, si tu kiffes ce que je fais, si tu kiffes la vibe. Et on se retrouve vite sur ma chaîne et je te fais de gros bisous. Ciao.